Bonjour à tous. Ce matin m'est paru comme une évidence de ces précisions encore et encore à apporter au travers de mon expérience, certes qui n'est que mon expérience, qui n'est pas forcément la vôtre, bien sûr, mais sans laquelle expérience nous ne pouvons pas véritablement prendre conscience, réaliser, comprendre et finalement prendre le risque sans cette expérience, si risque il y a, de rester à la surface des choses, de rester dans le concept, la théorie, l'idée. Voilà, inversement, être à l'écoute, Jung le disait, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Être à l'écoute de notre intériorité, la ressentir véritablement, cela sous-entendant faire abstraction du mental analytique, donc de percevoir en évitant de réfléchir, d'analyser, de décortiquer, mais aussi en évitant de ne pas accueillir, en évitant de ne pas regarder, en évitant de vouloir transformer pour aménager du confort, en évitant de refouler, c'est-à-dire de mettre de côté, d'enterrer bien profondément, eh bien, concrètement parlant, pour aller un petit peu plus loin avec les interrogations d'Emmanuel auxquelles j'ai répondu hier dans la dernière vidéo, précision autour du commentaire d'Emmanuel, accueillir sur la base de l'écoute et du ressentir, sur la base du non-réfléchir, du non-contrôle. Et donc, du lâcher prise, et c'est vraiment ça, il me semble, le plus difficile, c'est d'accueillir dans l'acceptation de ce qui est, et non pas de ce que je voudrais qu'il soit, et non pas de ce que je voudrais qu'il ne soit pas. Accueillir de façon la plus neutre possible. C'est entrouvrir les portes du spirituel. Le spirituel, c'est ni plus ni moins pour moi être au présent, vivre le présent, non pas au travers de qui je suis, de l'idée que j'ai de moi, mais au travers de ce que je suis. Au travers de ce que la vie m'apporte d'expérience, me fait vivre, et au travers desquelles l'expérience me fait comprendre. Cela sous-entend, au travers de ce lâcher-prise, de cette acceptation, donc de cet accueil, d'intégrer. Et donc, une fois encore, de ne plus refouler, aménager, transformer comme ça m'arrange. Intégrer. En intégrant, j'arrête dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'intégration de ce qui est en moi, de ce qui est partout. J'arrête, entre autres réflexes confortable, confortant, réconfortant, que tout le monde a pratiqué, que tout le monde peut-être pratique encore un petit peu, de temps en temps, régulièrement, souvent, systématiquement, rarement. Peut-être je vous le souhaite et je nous le souhaite plus du tout, de pratiquer
se remettre au lendemain. Remettre au lendemain, qui peut durer très longtemps, puisque arrivé à demain, nous remettons à l'autre demain, à l'autre demain, au lendemain, et puis à la semaine prochaine, au mois d'après, à l'année d'après. Ça s'appelle procrastiner. Et donc, dans l'accueil, dans l'acceptation, j'arrête de procrastiner. Et finalement, quand Emmanuel dit « Qu'est-ce qu'il se passe quand je me relie au cœur pour être dans davantage de conscience ?» Eh bien, le cœur me déverse toute cette noirceur, toutes ces choses liées au passé que j'ai engrangées, que j'avais verrouillées et qui arrivent à la surface. Et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Je l'accueille, tout simplement. C'est facile à dire, je sais bien, c'est facile à dire. Mais je l'accueille, c'est-à-dire je le laisse se manifester, je me laisse transporter par tout cela, je me laisse traverser. Mais je ne me laisse pas renverser, on est d'accord, je ne me laisse pas renverser. Si ce qui arrive à la surface, si ce qui se présente, est trop fort, si c'est trop déstabilisant, non pas pour mettre du contrôle, retenir les choses et revenir à du contrôle, mais de manière à aussi se respecter, parce qu'il y a aussi peut-être une limite à quelque chose qui peut être dévastant, bien sûr. Alors mettre de la mesure, c'est aussi se respecter, et c'est là où le juste milieu, la juste mesure peut être délicate. À partir de où faut-il mettre de la mesure? À partir de où faut-il enlever cette mesure? Cela va faire appel à l'authenticité, du respect de soi. L'authenticité dans le fait de regarder les choses progressivement ou complètement, intégralement, entièrement, instantanément ou progressivement. Ça appartient à chacun, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre qui n'est pas si libre que ça, puisque le libre arbitre, il est très conditionné par tout ce que nous portons, par tout ce que nous croyons faire, être, et que nous croyons être libres alors que nous sommes énormément conditionnés, le but étant d'être le moins conditionné possible et donc le plus libre possible. Et la liberté va être d'accueillir, d'accepter et d'intégrer grâce au lâcher prise, grâce à l'écoute et au ressentir, ce qui va permettre d'intégrer. D'intégrer quoi? D'intégrer notre propre univers. D'intégrer notre propre lumière, chose qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, d'intégrer sa propre lumière. Nous avons très souvent été repris, réprimandés, reprochés de ne pas être assez bon à l'école, et de ne pas ramener des notes d'école suffisamment bonnes. Nous avons très souvent connu d'avoir été critiqués sur ce qui n'allait pas et le plus souvent non reconnus, non valorisés dans ce qui allait, dans ce que nous faisions de bien. Donc effectivement, regarder sa propre lumière, ça peut déranger, ça peut faire peur. Or, nous ne sommes que lumière, nous ne sommes que vibration, nous ne sommes qu'énergie densifiée, prenant la forme d'un corps et habitant ce corps pouvant devenir une prison, c'est-à-dire fermeture, fatigue, souffrance, maladie, tout cela entretenu par la nourriture solide, il faut le dire, nourriture solide qui endort la conscience en réalité et qui va renforcer le mental donc, et donc renforcer la conscience inférieure,
puisqu'il y a cette conscience supérieure qui est la conscience tout court, et la conscience inférieure qui est la pseudo-conscience, qui croit être conscience, mais qui n'est que mentale, mentale qui réfléchit, qui analyse, qui met de la distance, qui divise. D'où l'enfer, et le propre de l'enfer, c'est de s'en faire, n'est-ce pas? C'est la mécanique du stress. C'est le diable en personne, et le diable étymologiquement c'est diabole, c'est-à-dire dualité, divisée. Divisée pour mieux régner, c'est le propre du mental, dans lequel nous sommes tous pris. Alors que la nourriture en conscience va procéder de cette conscience, non pas diviseuse, qui divise, qui dualise, mais conscience unificatrice. Et donc, l'accueil, le lâcher prise, basé sur l'écoute et le ressentir de notre intériorité, à l'instant présent, permet de réunir l'être que nous sommes, l'être magnifique que nous sommes, à condition d'accepter autant notre propre lumière comme nos propres zones d'ombre. À l'image de cette allégorie mythologique qui est que la terre est composée de ces trois entités, le ciel, où règne Zeus, l'océan, où règne Poséidon, et puis l'enfer, où règne Hadès. Et la terre ne saurait exister si on enlevait une de ces trois entités, une de ces trois dimensions. La terre ne pourrait pas être terre si on enlevait tous ces océans, si on enlevait le ciel. La terre sans le ciel ne serait pas la terre, nous sommes bien d'accord. Puisque c'est grâce au ciel que nous respirons l'oxygène et que nous respirons le prana, par tous les pores de la peau, par tous les méridiens, par tous les chakras, par la vue. Par l'ouïe, nous respirons en permanence. La peau, je le rappelle, est un poumon. La peau est un poumon. Nous respirons bien plus par cette peau que par les poumons en tant que tels. La terre ne saurait exister si on ôtait les enfers. Or, les enfers, c'est en nous que ça se passe. Puisque ce que nous percevons à l'extérieur, dit-on dans cette approche quantique, n'est jamais que le reflet de notre intériorité. J'irai même un peu plus loin, c'est que cet enfer qui est là, à l'extérieur de nous, la guerre en Syrie, les prisons remplies, les hôpitaux remplis, la misère, le vivre à peu près, le vivoter, le survivre, le RSA, le revenu minimum d'insertion, le RMI. Toutes ces conditions de vivre avec le minimum et le minimum ne permettant pas de se déployer un peu plus, ne serait-ce que d'acheter un livre, ne serait-ce que de s'offrir un stage, ne serait-ce que de pouvoir prendre... Il y a énormément de gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Mes deux frères et sœurs n'ont jamais pris l'avion, par exemple. Et donc n'ont jamais connu le principe de l'envol mécanique avec un oiseau de fer. Alors... il est possible de prendre son envol sans rien payer, sinon payer le prix que cela coûte et qui n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix, de prendre son véritable envol, l'envol du lâcher prise, l'envol d'accueillir et donc de transcender, transcender, transcender.
La matière alourdie, le mental densifié par cette nourriture solide, verrouillé par ses croyances, ses préjugés, mais plus encore par ses peurs, par toutes ces choses qui ne sont pas digérées, qui sont refoulées, qui constituent l'inconscient, et qui nous maintiennent dedans, qui verrouillent dans ces cuirasses émotionnelles, ce dedans, dans lequel dedans nous avons aménagé du confort sous toutes ses formes, et qui nous ont même fait oublier que c'était une prison. Le but n'est pas de s'échapper de cette prison et de partir très loin, ça s'appelle une fuite, et les mécanismes de compensation par la nourriture, par la drogue, par l'alcool, par le tabac, la cigarette, par les jeux compulsifs, le sommeil quand il dure trop longtemps, toutes ces formes d'évasion nous permettent de nous évader, de partir momentanément de la prison, mais ça ne dure jamais, et de revenir quand ça se termine, quand le beau voyage dans l'imaginaire se termine, et bien de revenir dans cette prison. Faisons de cette prison un véritable paradis. Il est là aussi le message de la nourriture en conscience. Le paradis, c'est ici et maintenant. Donc accueillir ces zones d'ombre autant que notre lumière. Vous voyez, notre lumière, c'est au singulier. Nos zones d'ombre, c'est au pluriel. Pourquoi ? Parce que le pluriel, c'est la diversité, c'est la multiplicité, et qui amène à être accueilli par l'unité, par la lumière, de manière à mettre de la lumière dans ces zones d'ombre, dans ces zones non comprises, refoulées, inconscientes de nous-mêmes, et qui nous ont maintenus à distance de l'extérieur. Lequel extérieur ? Au passage, intérieur-extérieur étant une illusion, une croyance basée sur la séparativité du tout, mais le tout justement, et non plus l'extérieur, le tout dont nous faisons partie, qui nous constitue et que nous constituons autant. La goutte est dans l'océan, l'océan est dans la goutte. La goutte et l'océan ne font plus qu'un, c'est vraiment ça le message de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique. Eh bien, le tout, à partir du moment où nous avons intégré un minimum de qui nous croyons être, nous avions cru être, de par ce mental égotique, intégré enfin ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire vibration conscience, conscience vibratoire, dans l'ici et maintenant, épluché, décortiqué, émancipé, libéré de ces couches que l'on appelle le sommeil profond, renforcé par tout ce que j'ai énuméré jusque-là, et bien ce tout, autant l'intérieur que l'extérieur, peut véritablement vivre, contacter et connaître la joie. La joie d'être, la joie de vivre, et non plus simplement d'être vivant, la joie du pleinement vivre, pleinement conscient, autant dans notre vulnérabilité de ce corps transitoire, passager, qui est amené à la finitude, autant dans notre invulnérabilité, toute puissance, humilité, toute conscience aussi, bien sûr, mais toute puissance de cette conscience reconnectée, reconnue et infinie, car immortelle. Alors, vivre, c'est accueillir dans le lâcher-prise ce qui est, dans l'accueil, dans le pleinement écouter, ressentir, au travers de nos cinq sens, sans ne plus s'identifier à ce que les cinq sens nous apportent d'informations de l'extérieur, et donc ne plus s'identifier à l'extérieur, pas plus qu'à l'intérieur. Car tout le manifesté, car tout ce qui existe est amené à disparaître, c'est la loi de l'impermanence.
à commencer par notre corps. Et je le rappelle, petit clin d'œil étymologique, nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir, comme nous ne pouvons pas ne pas respirer. Et respirer, c'est respirer l'oxygène. Oxygène, c'est oxyr, tuer, gène, genesis, la vie, tuer la vie. Donc le grand paradoxe de la vie, du vivre, c'est d'accepter de mourir. Mourir au passé, dans l'intégration de ce passé, et d'être en paix, serein, libre de ce passé. Alors véritablement, il est possible d'avancer, mais non plus avancer sur l'horizontale de la vie qui passe, croyant que demain ou ailleurs c'est mieux, mais avancer dans cet axe transcendant de la verticalité, ici, maintenant et partout, et alors de connecter au travers de cette verticalité l'unité dans la réunion, la réunification de ce que nous sommes, à la fois le ciel, à la fois l'océan. Nous sommes composés de jusqu'à 80% d'eau et le bébé de 90% d'eau, donc nous sommes aussi l'océan. Intégrer le ciel, c'est-à-dire la lumière, le non manifesté, la vibration, la conscience, intégrer l'océan, intégrer l'enfer. Et ainsi permettre à la terre que nous habitons tous, que cette terre soit habitée à sa surface par tous les êtres de lumière que nous sommes, c'est-à-dire le divin. C'est la définition pour moi du divin, c'est-à-dire la complétude. L'être complet dans sa diversité, ombre et lumière, ça s'appelle le yin et le yang, c'est le yin, c'est le yang, réunis. Soyons de véritables êtres de lumière, êtres divins, êtres lumineux, au travers du soi extatique, que le petit moi névrotique a été compris dans l'intégration au travers du regarder, au travers du percevoir, reconnaître. Reconnaître, c'est naître avec. Donc, le matériau de cette alchimie intérieure, de l'alchimiste retrouvé, du cercle des alchimistes, du cercle des poètes que nous sommes tous, c'est reconnaître cette part d'ombre en soi et que nous soyons traversés par ces zones d'ombre qui s'appellent les peurs, les colères et tout le reste, tous ces interdits à vivre, tous ces interdits au bonheur, toutes ces injonctions inconscientes au malheur, dans le fait de rester petit, dans le fait de ne pas s'autoriser. Vivre pleinement, l'être unifié au travers de son ciel, de son océan, de son enfer intérieur, et ainsi permettre à l'être divin que nous sommes d'être pleinement heureux dans le rayonnement et dans la pleine perception de l'ici et maintenant. Ainsi la goutte rejoint l'océan, ainsi l'océan devient la goutte, ainsi le tout nous habite et nous habitons pleinement. Car c'est ça aussi le message de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique, c'est que nous sommes infiniment plus que ce que nous avions cru
être que ce que nous avions été entendus dire que nous étions, que ce que l'on nous avait si longtemps dit et toujours dit, peut-être même, au travers de nos parents, de nos ascendants, de notre entourage, et que nous ne sommes pas. C'est-à-dire les limites, délimitées par les limites de ce corps physique et par les limites de ce corps mental. Nous sommes infiniment plus que cela. Au travers de ce corps mental, accueilli, reconnu, transcendé, au travers de ce corps physique, détoxiné, déconditionné, de toutes ces mémoires limitantes, enfermantes, grâce à, je vous le rappelle, pour se mettre en début de chemin, la règle des 3 V, fruits et légumes, crus, produits de saison, localement, frais, si possible, et donc crus, si possible pour les intestins, pour ceux qui n'ont pas de problème digestif, le plus possible, manger en conscience, donc se nourrir, bien mâcher, bien saliver, c'est libérer déjà l'énergie, c'est faciliter la digestion, c'est faciliter l'intégration au niveau physiologique, et puis au minimum 24 heures par semaine de pause alimentaire, pour ne pas dire de jeûne, 24 heures par semaine minimum de pause alimentaire, etc., etc. Donc je vous invite à revoir la vidéo. Sur comment préparer un stage en nourriture conscience, nourriture pranique, pas tellement pour venir faire un stage, car la vie est un stage, vous pouvez aussi vous passer de faire un stage au sens propre, simplement d'accueillir la vie et de commencer à poser des choses au quotidien dans votre propre vie, au travers de la meilleure façon de prendre soin de soi, qui est s'occuper comme une bonne mère s'occupe de ses enfants, avec amour, de son corps physique, de la meilleure manière possible, au travers de son corps mental, de manière à transcender le mental inférieur en mental supérieur qui est la supraconscience et la conscience tout court, de la manière la plus belle possible de s'occuper de son corps émotionnel, donc d'arrêter de refouler, d'arrêter de mettre des choses, d'étouffer, d'anesthésier par la nourriture solide et par toutes les autres approche de compensation, que ce soit le sucré, le salé, le sexe à outrance, les habits, les achats d'habits compulsifs, et le remplissage tout simplement, le remplissage pour étouffer, anesthésier, ne plus ressentir. Or, il est question de faire complètement l'inverse, de se détacher, de s'alléger et de pleinement ressentir, et au travers de se ressentir, de reconnecter. La pulsion de vie, le divin qui en permanence ne nous a jamais quittés et qui est là, tapis dans le coin, que nous maintenons tapis et qu'à tout moment nous pouvons décider de reconnecter afin de permettre de prendre véritablement sa pleine place. Et enfin, au travers de tout cela, sans chercher davantage, ce quatrième aspect, c'est le corps spirituel, l'être spirituel qui est et dont nous n'avons pas véritablement à chercher, au risque de développer une fois encore de la fuite, de la compensation ou de l'ego spirituel, que de trop se consacrer au corps spirituel, à la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est ici et maintenant, ce n'est rien d'autre que ça. C'est ici et maintenant au travers de notre corps, notre cher laboratoire, précieux laboratoire qui nous permet de nous réaliser dans notre vie, bien plus que simplement métro, boulot, dodo. Notre précieux laboratoire à prendre soin véritablement, très important. Et c'est ça le spirituel, au travers de notre laboratoire, au travers de notre corps physique, au travers de notre corps mental, de nos pensées, de nos ressentis, de nos émotions, de transcender tout cela et de connecter l'au-delà qui est en nous et que l'on appelle le spirituel, au travers de notre pleine dimension humaine, dans la pleine reconnexion au cœur et dans la pleine perception
dans la plaine embrassade, accolade. To give a big hug, give a big hug to what we are. Hein, donc, approche américaine, anglo-saxonne, de se prendre dans les bras véritablement et s'aimer pleinement, très important, autant que son corps, autant dans ce dont nous sommes fiers que ce dont nous sommes moins fiers, voire ce dont nous pouvons avoir honte, et bien être pleinement dans l'ici et maintenant de ce que nous sommes complètement. Le ciel, l'océan, l'enfer, et donc autant la lumière que les zones d'ombre. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Je crois que le message est passé, je crois que vous avez bien intégré à votre tour. Alors, merci une fois encore de m'avoir écouté, et puis bonne pratique. Bonne pratique tout simplement, sans chercher midi à 14h, sans remettre à demain, sans remettre plus longtemps à demain, sans chercher comment, des choses très compliquées, des techniques, des méthodes. Arrêtons les livres, arrêtons les techniques. Très simplement, écoutez le cœur, écoutez le corps, respirez au travers de cette matière, au travers de cette conscience, lui donner le plus d'espace, reconnecter l'espace. Avec soi-même, c'est reconnecter le champ unifié quantique et c'est donc être libre de tout ce dont nous retenions jusque-là et ainsi être véritablement nourri du champ quantique, de l'océan, de la vie ou du divin, comme vous voudrez, pour moi c'est la même chose, et d'être libre. Alors, soyez libre, soyons libres, soyez libre, soyons libres et heureux. C'est quand même à ça que sert la vie, en tout cas notre vie. Merci à vous.